Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook J.P. Remingonon et aussi ceux qui sont sur les pages secours Remingonofan, Remingono les plus beaux proverbes africains, à toute la nomenclatura panafricaine, je vous adresse mes salutations. À vous également qui partagez, nombreux, de plus en plus. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube J.P. Remingono, chaîne officielle de l'engagement. Merci pour votre engagement, votre fidélité et surtout de continuer à partager. Partagez les directs pour que beaucoup de gens puissent être touchés, puissent avoir l'information et puissent aussi venir s'abonner. Et surtout, y mettre les cœurs parce que ça nous permet non seulement de sécuriser le direct, de permettre qu'il puisse aller jusqu'à la fin, mais aussi que la chaîne YouTube puisse continuer à résister et surtout la page Facebook, qu'il faut-il le rappeler, subit beaucoup d'attaques et qui, grâce à vous, grâce à vos cœurs, grâce à vos likes, et parce que vous bloquez également aussi les commentaires avec des têtes de mort, eh bien, cette page réussit à résister. Et, bien sûr, je ne saurais manquer de vous dire une fois de plus d'avoir toujours un instinct de générosité par rapport à Martinez Zogou. Mais cependant, aujourd'hui, l'actualité, nous allons nous concentrer beaucoup plus à l'international, plus particulièrement en Afrique, ce qui se vit ailleurs, et parce qu'on sait que le monde est devenu un petit village et que les changements qui s'opèrent à travers beaucoup de pays africains touchent également le Cameroun qui ne saurait vivre en vase clos. Ceci étant donc, mesdames et messieurs, en ce jeudi saint, oui, il faut le dire, pour des chrétiens, c'est un jour de partage. Parce que c'est le jour de la scène. C'est le jour du dernier repas du Christ avec ses apôtres. C'est ce jour-là que, justement, il nous a montré qu'il pouvait se sacrifier et qu'il a partagé, qu'il ne fallait pas garder. Vous tous, vous devez par ce symbole comprendre que ce que vous avez, ça ne sert à rien de le garder parce que, de toutes les façons, la vie a toujours une fin. À force de garder dans les coffres, à force d'accumuler des richesses, et Boalotin le disait, tu n'emporteras rien. Même le Christ n'a rien emporté, puisque pour ceux qui sont dans la chrétienté, ils savent que nous sommes en train d'aborder ce qu'on appelle le trident, donc les trois grands jours de souffrance et bien sûr aussi de prières, d'intenses prières avant Pâques. Ceci, même quand on n'est pas croyant, on doit aussi savoir que, quelle que soit la religion et quel que soit le fait même qu'on ne puisse pas croire en quoi que ce soit, donner, aider, c'est quelque chose qui non seulement est bien pour l'humanité, mais pour vous-même. Regardez les autres souffrir à côté, alors qu'on a en abondance, c'est la nuit. Mais malheureusement, dans nos pays, on voit à côté des grands palais, juste des cabanes, où il y a le désespoir, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas à manger. Et où dans ces palais-là, on jette de la nourriture dans la poubelle au lieu de la partager. En ce jour donc de jeudi saint, en ce jour de la scène qui souvent est représentée dans des églises, eh bien, essayons de l'appliquer avec notre entourage. Mesdames et messieurs, installons-nous. On ouvre l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir. Nous, au Cameroun,
Nous avons la démocratie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Cette phrase a été prononcée par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, dans une émission à la CRTV, Actualité Hebdo. C'était le 3 avril 2022. Le Cameroun vante donc sa démocratie. Mais ailleurs, c'est là-bas où ça produit des fruits. Puisque Jacques Famendongo, qui nous a vanté tant la démocratie camerounaise, continue encore à fêter au moment où le Sénégal change son cinquième, ou plutôt son quatrième président pour le cinquième. Jacques Famendongo, lui, avec les gens du RDPC, les brontosaures, les fossiles du régime, fête plutôt les 39 ans du RDPC et appelle Paul Biya à se représenter pour un nouveau mandat de 7 ans. Oui, le Cameroun, c'est la démocratie, nous dit-on. Mais quelle image aujourd'hui le Cameroun représente? Lorsqu'on voit les mouvements qui peut avoir ailleurs, les changements, et surtout à travers les urnes. Le Sénégal vient encore de donner un exemple de démocratie. Exemple de démocratie et surtout des institutions qui sont fortes à la place des hommes. Pour la 12e élection organisée dans ce pays depuis l'indépendance, eh bien, un parti de l'opposition, un opposant plutôt, qui plus est le plus jeune de toute leur histoire, a remporté haut la main au premier tour avec 54,28% battant le candidat de la majorité présidentielle à plate couture qui n'a à peine obtenu que 35%. Première leçon, c'est que là-bas, il n'y a pas eu bourrage des urnes comme au Cameroun. Deuxième leçon, c'est que contrairement à l'ECAM, ils ont un organe indépendant qui n'est pas une organisation de la mafia vivant au crochet de l'État et attendant les injonctions de la présidence de la République. Troisième leçon, c'est la rapidité avec laquelle les résultats sont connus. Alors qu'il y avait plus de 7 200 000 électeurs au Sénégal, une élection qui s'est tenue le 24 mars 2024, au 26 mars, le président sortant, Macky Sall, avait déjà adressé les félicitations à l'opposant, Bassirou Diomaye Faye. Une leçon donc de démocratie et de transparence, où on n'a pas eu besoin des sous-préfets
des préfets. On n'a pas eu besoin d'attendre Clément, qui va dire irrecevable. On n'a pas eu besoin de Grégoire Ronan pour venir nous chantonner ces choses qu'on ne comprend rien après qu'on ait fait des bourrages des urnes pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est un véritable chemin de croix. Ou d'ailleurs, jusqu'à présent, on attend 32 PV. Où sont passés les 32 PV? Une élection qui a eu lieu en 2018 au Cameroun. On n'a pas encore les PV. 32 jusqu'à aujourd'hui. Et imaginez, si bien même cela se passe au Cameroun, qu'effectivement, la Cour constitutionnelle déclare même peut-être un opposant vainqueur à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? À cet instant-ci, si Bassirou Diomaye Faye était Camerounais, il serait bien au CED. Au CED, pieds nus, Sonko serait déjà à la prison principale, serait déjà retourné à la prison principale après avoir été bien fouetté au commissariat. Certains auraient déjà appelé les villageois à aller couper le pont de Babda. Couper, couper, couper. On ne peut pas, on va déstabiliser le pays. Couper le pont de Babda. On aurait déjà vu les chefs traditionnels faire des rituels pour maudire les opposants qui veulent déstabiliser le pays, qui veulent vendre le pays aux étrangers, à la France. Mais au Sénégal, même si Macky Sall a tenté un passage en force, même si Macky Sall a voulu jouer à la façon Biya, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le peuple sénégalais, non seulement connaît ses droits, mais prêt à se sacrifier. Avait-il l'armée? Avait-il la police? Avait-il les préfets? Les gouverneurs? A-t-il pleurniché, pleuré lorsqu'il a été jeté en prison? Non. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas tout cela. Il n'avait pas le bire. Il n'avait pas la gendarmerie. Il n'avait pas les gilets pare-balles. Mais il avait le peuple. Et c'est ce peuple qui n'a pas dit comme le peuple camerounais, je veux voir mes enfants grandir. Ce peuple s'est mis debout, a défendu la démocratie. Et pas seulement aujourd'hui. Parce que nous pouvons dire au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Oui. Nous avons trouvé refuge dans les bars. Nous avons trouvé refuge dans la corruption, dans l'imposture. Nous avons trouvé refuge dans la peur, dans le tribalisme,
Alors que lorsque Abdoulaye Wade avait tenté lui-même de faire un troisième mandat, les Sénégalais se sont sacrifiés. Beaucoup ont été jetés en prison. Certains sont morts. Des jeunes ont perdu leurs membres. Mais cela n'a pas empêché aux Sénégalais de se lever à chaque fois. Comme cette fois-ci encore. Lorsque Macky Sall, non seulement a jeté les leaders en prison, non seulement a fait sortir l'artillerie lourde, il y a eu au moins 60 morts. Mais le peuple sénégalais était debout, est resté à affronter pour que la démocratie survive. Nous devons donc d'abord féliciter le peuple sénégalais pour sa détermination. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont gagné une élection. Puisque en juin 2023, Macky Sall a dissous le parti politique qu'il redoutait, c'est-à-dire le PASTEF, qui était dirigé par Sonko. Et puis, il a envoyé le même Sonko en prison. Il a envoyé le secrétaire général du parti en prison. Il était convaincu qu'il allait réussir la même opération qu'en 2019, puisque les deux concurrents qu'il avait devant lui, le fils de Ouad, et il y avait aussi Sall, il s'est dit non, cela peut me nuire. Condamnation, et puis on les met à côté. Mais cette fois-ci, on a compris. Les Sénégalais ont compris son jeu. Et aussi Ousmane Sonko a compris son jeu et n'a pas voulu jouer au sauveur éternel, le seul qui peut battre Macky Sall. Il avait son joker, son frère, son camarade, à qui il a fait ce qu'on peut parler de passe décisive. Macky Sall a commis la faute. Bim! Tacle dans la surface de réparation. Penalty. Au lieu que Sonko aille transformer le penalty, il a dit à l'autre que puisque je suis déjà pris, et il y a une possibilité que tu transformes ce penalty. Son ami, coéquipier, a donc dit, ok, je prends mes responsabilités puisque nous travaillons en groupe. Voici comment est-ce que Bassiou Diomaye Faye prend son maillot, serre 7, quelques pas en arrière, et fixe Macky Sall, qui est dans des buts. Macky Sall sort des yeux. Il fait des jeux comme ça. Il met la barrière. Les militaires sont là. La police est là. Il veut faire peur. Parce qu'il regarde comme ça. Il cherche un petit trou. Il recule encore. Et il fait semblant d'aller à gauche. Et il fait semblant d'aller à droite. Boum, Zola! Macky Sall a été. Macky Sall a été. La politique, la démocratie, c'est comme un jeu. Un jeu d'équipe où chacun joue sa partition et où tous ont un seul objectif. Gagner. Remporter la compétition. Mais il y a bien sûr des coéquipiers qui peuvent être nuisibles pour l'équipe, qui peuvent donc être écartés.
Ces coéquipiers, on n'en a pas besoin. Lors de cette élection, il y avait 19 candidats. On n'a pas entendu au Sénégal parler de la coalition de toute l'opposition. On n'a pas entendu parler des primaires de l'opposition. On n'a pas entendu l'opposition parler de l'alternance de ceci, de la gouvernance par... On n'a pas entendu parler de la transition. Lorsqu'on regarde l'équipe qui était autour du PASTEF, même si on a dissous, on n'a pas dissous les idées. Ils se sont dit on y va. Et le peuple les suivait. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas les partis politiques qui donnent le pouvoir. La preuve, c'est que le PASTEF a été dissous. Ce n'est donc pas le PASTEF qui a pris le pouvoir. Il a été dissous. Et les responsables jetés en prison de telle sorte qu'ils ne sont sortis de là que 10 jours avant l'élection. Mais le peuple, lui, il est resté mobilisé. Parce que le peuple avait confiance aux idées de ces jeunes-là. Le peuple ne sait pas faire disloquer. Et pourtant, lorsqu'on voit aujourd'hui les résultats, eh bien, on se rend compte que 15 partis politiques au Sénégal n'ont même pas dépassé 1%. Et il y a à peine deux partis seulement. À part le parti d'Amadou Ba, c'est-à-dire que le poulain de Macky Sall, et il n'y a que deux autres partis qui ont pu atteindre à peu près 2%. Ceux qui nous perdent dans le temps à vouloir nous dire qu'on doit organiser des primaires, ceux qui nous perdent le temps à dire qu'ils sont déjà de la coopération, de l'alliance, de la 2e à 8e, 5e, 12e alliance, et qui disent que si toute l'opposition n'est pas réunie, on ne peut pas gagner une élection. Et ils vous mentent. Complètement. Puisque le Sénégal vient de nous donner une véritable leçon. Et cette leçon, également, nous crée humiliation. Oui, le Cameroun, avec le plus vieux président africain, qui ne veut rien lâcher, et qui est toujours là, jusqu'à la fin des temps. Certains se sont amusés à dire que quand Paul Biya arrive au pouvoir, Faye n'avait que 2 ans. Voit-il les changements autour de lui avec un autre jeune qui est au Gabon? Prend-il conscience qu'il n'est pas indispensable, qu'on peut changer de président et que le pays continue toujours à vivre? Le Cameroun, devenu la risée, nous allons juste essayer de voir comment est-ce que beaucoup de choses peuvent changer. Rien n'est éternel. Ceux qui croient que l'opposition ne viendra jamais au pouvoir au Cameroun, vous pouvez vous tromper. Au Sénégal, vous vous rendez compte? Macky Sall était tout fort. Il pouvait décider de ce qu'il voulait.
le 2 avril, c'est terminé. Et regardez comment ça change. Les prisonniers d'hier, c'est eux qui vont diriger le Sénégal. Chers militaires, avez-vous compris cela? Quand vous maltraitez des opposants, quand vous les enfermez, 11 ans, il a passé cela, détruit, croyait-on. Mais c'est là où il s'est enrichi, parce que parfois les hommes politiques doivent passer par ces épreuves. Macky Sall a commis cette erreur. Cette erreur que Paul Biya a continué à commettre. Qu'en envoyant les opposants en prison, ils sont finis. Il a fait avec Maurice Kamto. Aujourd'hui, les Fogué sont là-bas. Avec les Bibou Nissak. Ceux qui se moquent de Bibou Nissak aujourd'hui, du professeur Fogué, savez-vous ce que demain vous réserve? Oui, les Sénégalais stupéfaits regardaient à la télé comment est-ce que on embarquait Sonko. Comment est-ce que les forces de sécurité l'arrachaient de son siège? Allez, sors ici, sors de là. Les Sénégalais regardaient stupéfaits comment en avril 2023, alors qu'il sortait juste de son boulot, Bassirou Diomaye Faye était menotté, embarqué. Et oui, ceux qui étaient avec Macky Sall, ils étaient en train d'applaudir. Mais ils oublient une chose. Macky Sall, dès le 2 avril, n'est plus président. Et lui, il a déjà trouvé un autre boulot. Et ce boulot, c'est quoi? Le gars sera maintenant à côté de son vrai patron, Macron, comme président de 4P. Ah oui, il sera là-bas avec son épouse. Mais vous, ministre de Macky Sall, qui avez volé, vous, ministre de Macky Sall, qui avez humilié le peuple, vous, les forces de sécurité, qui étiez en train de trimballer par terre là, Sonko, ou encore Faye, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez fuir de votre pays. Vous allez fuir de votre pays. C'est donc ça la vie. On peut servir un chef d'État. Mais il faut savoir que le pouvoir a des limites. Et une durée déterminée. Aujourd'hui, le même individu sur qui on crachait, Bassirou Diomaye Faye, lui qui habitait dans un petit quartier de démunis ou bien de gens presque à la limite de la modestie, dans la cité des impôts, eh bien, aujourd'hui, ah, tout le monde est au garde. Oui, chef. Oh, patron. Oh, oui, chef. 20 gendarmes sont à sa sécurité. Ah oui. Toutes les rues maintenant, 3/4 des gendarmeries ici, même au niveau de l'entrée de sa porte, les gendarmes s'inclinent. Oui, chef. Oui, patron. Oui, monsieur le président.
Trois voitures sont garées là, noires. Ils ont déjà les armes comme ça là. Et vous vous rendez compte que le 4 avril 2024, avant de s'enfuir à Paris, Macky Sall sera assis là pour la fête nationale de l'indépendance du Sénégal. Et qui va présider? Qui va présider? C'est Bassirou Diomaye Faye. Vous voyez comment est la vie? Est-ce que les gens qui crient chaque jour au pays, Maurice Kamto ne sera jamais président? Je pourrais dire qu'on t'attend ici. Il n'y aura jamais un anglophone président. Akeremona ne sera jamais président. Un Savoie ne sera jamais président. Un Ouadio ne redeviendra plus jamais président. Est-ce que vous savez que c'est de la même façon que quand il y aura un nouveau président, vous allez lécher ses pieds jusqu'à renier tout ce que vous avez dit? J'ai vu certains qui passent souvent là à la télé, qui ont même dit que si Maurice Kamto était élu, il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Vous croyez? Vous croyez? Hier, il était mal aimé par les sommités. Mais le bas peuple l'adorait. Le bas peuple adorait ce mouvement qui est né. Et que tout le monde ne voyait même pas progresser, plus que d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder l'évolution du pasteur, tout le monde s'en moquait. En 2017, eh bien, on disait tout simplement que, oh là là, ça c'est des rigolos. Il n'avait qu'un seul député sur 165. Et puis pour l'élection de 2019, on a commencé à voir son convenir là. On a dit, oh là là, c'est le plus gros score, il ne peut plus jamais aller au-delà. Parce qu'il avait eu 15%. Mais on se disait qu'il était fini. Il fallait tout simplement qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, et puis c'est terminé. Mais ni Sonko, ni le pasteur, ni les idées n'ont eu à s'estomper malgré la haine, malgré les complots, malgré tout ce qui a été versé contre eux. Oui, Adja. Te voilà, on est parti te sortir d'un salon de massage. On t'a dit d'aller faire un mauvais témoignage. Que Sonko, alors que toi-même tu sais que même les vendeurs ambulants ne te voyaient pas. Tu as détruit la carrière de Sonko, croyais-tu? On t'a donné quelques petites miettes, comme on en donne souvent au pays pour détruire les gens qui ont des ambitions, qui veulent remplacer, qui veulent apporter l'innovation, ce qui est leur loi. Mais voilà une masseuse qu'on est parti prendre, Adja. Macky Sall lui a dit, va témoigner. Adja, tu vas partir dans les bagages avec Macky Sall. Tu vas faire comment? Toi qui es parti témoigner là. Toi qui es parti inventer des histoires là que tu as violées, que tu as été violé pour détruire les carrières. Tu seras dans la même marmite, dans la même sauce que les commissaires, les faux juges, les militaires, les policiers qui ont maltraité Sonko, qui ont emprisonné Bassirou
Diomaye Faye. C'est une leçon pour le Cameroun. C'est une leçon pour ceux-là qui, aujourd'hui, croient que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il n'y aura jamais ce qui est arrivé ailleurs. On le disait quand c'était la Côte d'Ivoire. Quand il y avait guerre là-bas, qu'est-ce qu'on disait? Le Cameroun, c'est le Cameroun, il n'y aura jamais de guerre. Mais aujourd'hui, il y a la guerre au Nozo. Entre l'armée camerounaise, l'armée régulière et les Amazoniens. Et sachez également qu'il y aura un changement au Cameroun. Nous ne retenons pas les leçons. Ça arrive chez les autres, mais on est convaincu que ça n'arrivera jamais chez nous. Mais bon, en attendant, qu'est-ce qu'on voit? Des appels pour la candidature, toujours et toujours, de Paul Biya. Le seul, l'unique. Au Sénégal, vous devez donc retenir que ceux qui sont actuellement au pouvoir, d'abord ne sont pas sortis des super grandes universités comme tous les universitaires du Cameroun qui n'ont que « Oh, je suis docteur, oh, je suis professeur ». Ils sont sortis de l'ENA. Ils sont sortis de l'ENA. Ils sont sortis de l'ENA. Et ils ne sont pas comme les voleurs du Cameroun. Dès que tu sors de l'ENA, tu deviens tout simplement quoi? Voleur. Les inspecteurs des impôts, ils ne construisent que des villas, ils ont des duplex, ils ont des marbres, ils ont de l'or dans des robinets, ils ont au bout seulement de 6 mois de service. Ils ont toute qualité de voiture. Ils sont malhonnêtes. La corruption les a gangrénés. Ici, ce sont des jeunes d'eux qui sont connus avec un autre groupe parce que c'est un socle. Ils n'ont pas voulu s'enrichir. Et ils avaient des idées pour leur pays. Ils avaient un projet de société pour la jeunesse. Ils n'ont pas fait comme certains députés qui vont seulement dans notre mangeoire ou qui cherchent des postes ministériels. Ils ont abandonné tout ça. Certains ont dit d'ailleurs que, oh non, pourquoi tu perds ta vie? Allez, combattre les gens les plus puissants. Mais en fin de compte, voilà donc qu'ils sont devenus puissants. Regardons, une fois de plus, l'itinéraire d'un génie. L'itinéraire d'un homme qu'on prenait comme un rigolo parce que quand il était à l'école, il était tout simplement là, en train de faire rire parfois ses camarades, qui mangeaient, qui ramassaient des cacahuètes par terre pour payer son école. Lui, il allait au champ. Oui, il avait des champs pour payer l'école. Son père, pourtant, était un intellectuel. Mais il n'a pas fait comme nos intellectuels du Cameroun, qui croient qu'après eux, il n'y a plus rien. Son père, c'est un professeur. Mais vous allez voir comment il a passé la main. Pendant ce temps au Cameroun, on a les Niat, les Kabaye, les Paul Biya qui sont irremplaçables. Son père est un professeur. Vous allez le voir aujourd'hui. Mais il a laissé son fils avec ses amis aller jusqu'à la vocation. De la prison à la consécration. Regardons cet élément de monsieur le président Bassirou.
Jumaï Faye. Voilà son arrestation. Ouais, non. Les mêmes gens qui disaient que oh, on a arrêté Maurice Kamto jusqu'à ce qu'il a fait pipi. Madame, tu regardes. On a arrêté Kamto. Il a fait pipi. Voilà, on avait arrêté celui-ci. Hein. Lui-même, il a aussi fait pipi. Parce que vous croyez que quand on arrête que nos cousins, ça va veut dire que je ne peux plus rien. Appelez un gars. Eko, tu vois les gens? C'est comme ça que tu as arrêté aussi, hein, même les Martinez Zogo. Continuez à faire votre travail. Arrêtez-les. Ah oui, on t'arrête, on te met dans le sang payé, on te donne les coups de pied. Tu vois, même un fossé qui n'a même jamais eu, même le CEP, tape les gens. Ici, bon, on n'a pas tapé, vous voyez comment les forces de sécurité du Sénégal au moins agissent avec un peu de professionnalisme. Moi, quand les gars m'arrêtaient, c'est la bastonnade que tu voulais voir. Vous ne pouvez pas parler avec l'arrestation. Il n'y a pas de mandat reconnu, il n'y a pas d'arrestation. Voilà le président qu'on a en train d'arrêter. Il y a 11 mois, on l'a arrêté. 11 mois. Tous les gens qui sont là disent déjà que ce n'est pas eux, que c'était leur frère de nous. Oh yo, c'était nos frères jumeaux, nous on ne connaît pas. Prochainement, c'est comme ça qu'on va arrêter Faman Dongo. Vous avez le droit d'arrêter aux heures normales. C'est mission posée. Mais à l'heure. Il sait, c'est comme ça qu'on va t'arrêter, hein, bientôt. Et puis il vient l'enlever à l'absence d'un mandat d'arrestation ni de mandat de conduite. Il n'y avait pas de mandat, hein, exactement comme au Cameroun. Commissaire Essoko, moi je n'ai pas oublié, même si tu es à la retraite. C'est ça.
Qui va pas fuir, c'est le responsable. Moi d'accord, non, madame la qui, c'est le cadre de l'administration. Qui va pas fuir, c'est pas un voyou, c'est pas un délinquant. Mais là, je me dis, nous, après, tu vas être en même temps. Là, tu seras bientôt ministre. On me dit que les anciens ministres sont déjà en train de faire les sacs. Voilà le gars qu'on met. Le président. Donc voilà qu'on met dans le sang payé. Parce que le gouvernement vient d'être enlevé. Ici, au niveau des impôts et donc voilà, allez-y. Dans la pub, comme pour Maurice Kafoun. Bon, voilà donc le pays. Je voudrais que toutes les forces de sécurité du Cameroun regardent ça. Mais les droits des citoyens dans ce pays, c'est ça la loi. On kidnappe un fonctionnaire, on le kidnappe pour l'amener comme ça à la ligne. À 22h, on y va. À 22h. Le Sénégal ou pas? C'est-à-dire que ici, vous allez donc voir son père, c'est-à-dire le professeur Ndongo Faye, et femme Ndongo rigole en me disant il a mon nom. C'est même peut-être ma famille. Il le connaît déjà qu'il est de la famille. Écoutez, le professeur, expérimenté, le père du président. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Voilà le père du président. Parle, ne regarde pas Diomaye sous l'œil d'un politologue qui connaît l'histoire politique mondiale. Quand le président de la République, on n'apprend pas à être président de la République. Voilà. On n'apprend pas à être président. Est-ce que vous avez entendu? Il y a qu'on a, n'est-ce pas, qui facilite d'être président de la République. Ça veut dire, n'est-ce pas, la capacité d'écoute et l'humilité. N'est-ce pas? Parce que le président de la République n'est qu'un chef d'orchestre. Voilà. Pour me dire qu'un chef d'orchestre ne connaît pas comment jouer tous les instruments de l'orchestre, et donc, ça veut dire que tu ne sais pas comment l'orchestre marche. Un président de la République, je parle d'un président de la République, pas un roi. Hein, comme c'est que beaucoup de gens pensent, ils pensent que nous avons les rois. On n'a pas de roi. On a des présidents, on a le premier administrateur de l'État. Nous, on a des rois au Cameroun. Il faut avoir une capacité d'écoute, de l'humilité, pour pouvoir recevoir des conseils, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans votre équipe. Et effectivement, et Diomaye, c'est pas maintenant, dans sa famille, c'est une famille qui est vraiment habituée à diriger des personnes, comme son grand-père et tout le monde. Donc, c'est pas. Ces gens-là, c'est parce qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, les pires présidents écoutez, de l'histoire politique mondiale, ce sont ceux qui arrivent pensant qu'ils ont l'expérience. La force de l'expérience, par exemple, en Amérique, Lyndon B. Johnson, par exemple, Hoover, en Amérique, qui ont été. Lyndon Johnson, c'est lui qui a causé la catastrophe de la guerre du Vietnam. Hoover, c'est lui qui a causé la crise de 1929, n'est-ce pas? Et c'était des gens qui ont dit, voilà, ça, c'est l'individu parfait pour être président. Femme Ndongo, tu as écouté, nous voilà donc comment est-ce qu'on se moque maintenant de nous. C'est-à-dire que pour être président, on ne dit pas la force de l'expérience. La preuve, c'est que tellement cette expérience nous a enfoncé bas qu'aujourd'hui... Le nouveau président sénégalais... Voilà les Ivoiriens qui se moquent de nous. C'est-à-dire qu'il avait 2 ans quand Paul Biya prenait le pouvoir. Aujourd'hui, à 44 ans, il devient le collègue de Paul Biya. C'est-à-dire ton petit-fils va venir te manquer de respect au sommet africain. C'est-à-dire va venir te manquer de respect. C'est-à-dire que c'est son collègue au temps de la personne qui a maudit le Cameroun, je suis sûr que c'est le cousin direct de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Lucifer lui-même,
Je ne sais pas qui a bloqué encore le Cameroun, quoi. Même association des pasteurs, Makosso à la tête, ils ne peuvent pas délivrer les Camerounais. Donc, si on veut bien comprendre, il n'y a pas une personne intelligente, un jeune intelligent au Cameroun pour prendre le pouvoir. Président du Sénat camerounais, il a 97 ans. Il est encore élu président du Sénat. Sommet africain. Le vieux 91 ans, il est assis. Visite d'État d'un jeune président de 44 ans au Cameroun. Il va voir son homologue de 91 ans. La honte. C'est un Ivoirien. Il sera obligé de venir s'arrêter sur la route devant le palais présidentiel pour attendre son petit-fils. Ton petit-fils a te manquer de respect au sommet africain, c'est-à-dire sommet africain, l'Union africaine. Ton petit-fils te manque de respect, il te dit son bête, tu rien créer. Mais puisque s'il n'y a pas de personnes intelligentes dans ton pays, s'il n'y a pas un jeune dynamique, un jeune courageux qui prend le pouvoir, c'est comme si un momi, comme si un vieux de 91 ans, avec un président de Sénat 97 ans, on les manipule. Ah, et il ne veut pas ça. Coucou Afrique Média. Bonjour Afrique Média, vous allez bien? Que puis-je faire pour vous? Jolie, Afrique jolie, Média jolie. Bon, 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 bon. Rire ou pleurer. Voilà notre triste réalité. Voilà la réalité de ce qu'on appelle le continent. Un continent où on fête la jeunesse, mais où on prime la vieillesse. Cabral Limi s'était levé en se tapant la poitrine qu'il est le nouveau Macron du Cameroun. Beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de solidarité, surtout au niveau de la diaspora, qui voyait un vent de fraîcheur et qui voyait à lui un porteur d'un changement et surtout de l'espoir d'une jeunesse longtemps mise au placard. Arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2018, Cabral Limi, finalement, a réussi à briguer le poste de député avec le PCRM. Cabral Limi est donc devenu, par l'opposant, pur et dur, mais plutôt en proposant. Mais aujourd'hui, lui-même, non seulement il voit ses rêves s'estomper, mais même la possibilité de se représenter pour la prochaine élection présidentielle est en train de se compliquer. Sous la ferule, ou sous la propulsion, ou sous l'impulsion du PCRM, Cabral Limi
avait percé facilement. Mais le même PCRN, appartenant à un type qui se dit Robert Kona, lui met aujourd'hui les bâtons dans les roues. Cabral Libi pourrait-il être le prochain Faye du Cameroun? Difficile à dire. Dans la mesure où souvent son langage a été policé, contrairement à celui du PASTEF qui s'est opposé complètement, prônant la rupture avec l'ancien régime, avec le parti au pouvoir, avec les méthodes sales. Le PASTEF, avec sa jeunesse, a réussi à séduire son électorat et même à faire qu'elle puisse augmenter. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Cabral Libi n'a pas été beaucoup solidaire avec une opposition dans la mesure où il se disait lui-même être républicain. Mais malheureusement, en dictature, il n'y a pas une opposition républicaine. La preuve, à Tanganyi, a utilisé tous les moyens et utilise tous les moyens aujourd'hui en sa possession pour lui mettre les bâtons dans les roues. La faute à qui? En 2019, en mai, plus précisément, Cabral Libi est porté à la tête du PCRN, ce qui signifie que s'il y avait un congrès, dit-on, mais ce que l'autre ne reconnaît plus, c'est-à-dire Robert Kona, le fondateur ou le fondateur, parce que ça dépend des documents. Il a donc décidé de débarquer Cabral Libi en fin décembre 2023. Il a d'ailleurs cité à comparaître au niveau de Kayele, au tribunal. L'affaire est renvoyée, sera renvoyée probablement jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est les méthodes de Tanganyi, qui n'est qu'un pion, un élément du système BIA, qui s'est souvent accompagné des opposants et détruire les mêmes opposants. Cabral Libi, lui également, le 21 mars, a décidé de l'expulsion, de la suspension de Robert Kona du parti PCRN dont il est fondateur. Et le 25, il a écrit à Tanganyi. Dans ce courrier, il informait le ministre de l'administration territoriale que ce dernier ne fait plus partie du parti ou alors du comité directoire. Mal lui en a pris, puisque Tanganyi n'attendait que ça pour lui renvoyer une lettre à la façon ping-pong, lui disant tout simplement que c'est plutôt lui, Cabral Libi, qui piétine les statuts du parti et lui ne peut pas valider Robert Kona. En quelque sorte, une façon de dire, Cabral Libi, le PCRN n'est pas à toi et tu ne peux pas continuer à t'en prévaloir. Cet avertissement, nous l'avons donné depuis fort longtemps. Parce que chaque fois, c'est comme ça que le régime fonctionne. Il peut vous faire gagner pour vous opposer à un autre opposant. Et ensuite, quand vous voulez devenir déjà célèbre et quand vous avez une certaine ambition, si vous ne voulez plus marcher comme eux, ils vous bloquent. C'est donc ce jeu de compromission qui parfois tue l'opposition camerounaise. Cabral Libi n'a pas pu remarquer que justement pour les législatives de 2020, le même Tanganyi avait pratiquement favorisé Cabral Libi en mettant de côté déjà
le secrétaire général élu de l'UPC, et en mettant un pion, l'hypothèse, pour aller finalement soutenir, même à la présidentielle déjà, celui-là, il soutenait déjà le RDPC parce qu'il était dans le G20. Atanganji avait fait ça. Mais Atanganji savait pertinemment que cela n'allait tenir qu'une petite période, le temps d'une élection. Bapondipote, après, n'a pas eu les mêmes grâces puisque, justement, lorsqu'on a pu voir maintenant les législatives de 2020, eh bien, là-bas, il n'y avait pas de représentation dans l'Union Ekele de l'UPC qui aurait pu créer des problèmes à Cabral Libye. Avait-il fait un deal avec Atanganji? Pourquoi a-t-il bénéficié de cette faveur? On n'en sait pas grand-chose. Toujours est-il que certaines indiscrétions nous font comprendre qu'il y avait un certain amour qui filait entre eux. Et aujourd'hui, c'est presque le divorce à ciel ouvert. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours est-il que le même Atanganji avait-on vu avec Kawala. Lorsqu'il a vu que Kawala devenait un peu gênante, il est parti ressusciter le fondateur du CPP. Ainsi, Kawala n'a même pas pu être candidate à l'élection présidentielle de 2018. Mais quand l'élection présidentielle est déjà passée, eh bien, la justice camerounaise va donc faire semblant de dire le droit. Oui, oui, effectivement, c'est elle. Mais il se fait tard. Cabral Libye est dans la même optique. C'est-à-dire que le régime va l'épuiser, va le broyer, va le mettre dans ce qu'on peut appeler un tunnel sans fin. Avec des procédures judiciaires, des procédures administratives, à n'en plus finir. Et il va certainement gagner après l'élection présidentielle de 2025. Ceci nous amène donc à une chose aujourd'hui. C'est que l'opposition camerounaise a toujours été piégée par le régime. Et lorsque vous faites leur jeu, eh bien, et ils continuent à perdurer. Ils divisent dans l'opposition. Et eux, pendant ce temps, ils se renforcent. L'opposition camerounaise, donc, a un véritable problème. Et ce problème devrait être résolu. En se basant sur l'exemple du Sénégal, en se basant sur le comportement des autres. Au Sénégal, l'opposition ne critique pas l'opposition. Or, qu'a-t-on vu avec Cabral Libye? Lorsque Maurice Kamto a été arrêté et tous les autres militants jetés en cellule, en prison, Cabral Libye était celui-là qui venait nous rappeler la loi en disant qu'au Cameroun, il y a le régime de manifestation qui est soumis à une autorisation. Et le MRC n'a pas respecté cela et que ces lois avaient été votées pendant que Maurice Kamto était ministre de la Justice. Bref, il s'était frotté les mains, ne sachant pas qu'il pouvait être broyé. Alors, est-ce maintenant qu'il faut rappeler cela à Cabral Libye et sans danger le laisser? Non. Je dirais plutôt à l'opposition que le cas Cabral Libye, loin de diviser l'opposition, devrait plutôt être un élan de solidarité pour dire non, qu'on en a assez de voir des ministres venir non seulement diviser les partis politiques, s'y ingérer et surtout choisir souvent leurs candidats. Si le Sénégal a eu ce changement, c'est parce que justement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une division dans l'opposition, une opposition qui abandonne les autres. Et il y a eu une mobilisation contre un système. C'était le système Macky Sall. Aujourd'hui, Cabral Libye ne doit pas être considéré comme l'ennemi, peut-être du MRC, même s'il a été négligent ou s'il a été méprisant et que certains de ses militants sont encore agressifs vis-à-vis du MRC. Il faut plutôt, loin des plans d'Atanganji,
se mettre maintenant ensemble pour qu'il y ait un vent de changement, un vent de contestation. C'est la contestation, la détermination qui peuvent amener le changement. Ce n'est pas ce qu'on appelle, ce qu'il appelle les primaires de l'opposition, les coalitions de ceci, au nom de ceci et cela, mais c'est en disant ce régime a assez broyé des gens et que déjà la jeunesse, le peuple ne fait que subir, souffrir et ne peut plus continuer. C'est donc cet appel que je lance aux forces vives, à la jeunesse, de se mobiliser. Oui, il y a une priorité. Maurice Kamto l'a évoqué, à savoir, par exemple, la révision du code électoral. Mais l'autre enjeu également, c'est le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire sur des listes électorales. Le Sénégal n'a que 18 millions de personnes, mais 7 200 000 se sont mobilisés. Comment se peut-il que le Cameroun, qui a près de 30 millions de personnes, ne puisse pas avoir 15 millions d'électeurs? Ou même 10 millions d'électeurs, ou même 7 millions d'électeurs. Ce n'est pas possible. Les Camerounais doivent donc se mobiliser et non attendre un Messie. Il n'y aura pas de Messie. Parce que c'est le discours qu'on donne. C'est l'idéologie et surtout ce qu'on propose au peuple pour le changement qui fait tout basculer. Quand on essaie de regarder un certain nombre de choses dans notre pays, comment imaginer que les Camerounais qui sont nés en 82 ne connaissent qu'un seul président? Peut-on dire qu'il n'y a aucun jeune, qu'il n'y a aucun homme compétent? Qu'il n'y a rien. Voilà Jacques Famondongo, qui déjà, pendant que le RDPC fête ses 39 ans, et ils sont déjà mobilisés. Et il dit déjà que on ne peut pas penser à la succession d'un chef tant qu'il est en activité. Et regardez bien l'article 27, alinéa 3 du RDPC. C'est-à-dire que Paul Biya est président à vie. Eux, ils sont mobilisés. Eux, ils sont déjà prêts. Regardez que le 6 décembre 2021, à Mona Télé, le ministre Yébé avait déjà lancé l'idée de la candidature de Paul Biya. C'est-à-dire que 4 ans avant 2025, et les partis se sont mobilisés. Lui, il a bien joué. On ne peut pas demander à un ministre de le faire. On ne peut pas dire à Famondongo de ne pas le faire. Mais on vous dit de votre côté de vous mobiliser également. Regardez tous les autres ministres de Paul Biya, comment ils sont. Et vous savez par exemple que lorsque la campagne est déjà lancée, là-bas, à la Laitière, après ils vont monter de l'autre côté, au nord, à l'extrême nord, et quand l'opposition va se réveiller, il se fera trop tard. C'est pour cela que, aujourd'hui, non seulement le Cameroun doit sortir de sa léthargie, mais surtout le peuple camerounais, la jeunesse, vous qui êtes là, vous qui partez prendre les bouts de sardines, le bout de pain. Est-ce que vous avez vu les jeunes Sénégalais se mobiliser? Est-ce que vous avez vu Sonko distribuer du pain, des bouts de tissu? Est-ce que vous avez vu Faye
aller s'asseoir avec les ministres pour faire des stratégies comme vous voulez faire. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller à l'Assemblée bouffer? Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils avaient un objectif, la rupture totale. Et c'est ce qui a marché. Quand on regarde, finalement, notre pays, même si aujourd'hui, on se dit, oui, on soutient Cabral Libi. Est-il lui-même conscient qu'il peut soutenir un autre candidat? Est-ce que notre position est même consciente qu'elle peut jouer comme, ne serait-ce Sonko? Sonko, ce n'était pas moi ou rien. Lorsqu'il a été mis en difficulté, il a fait la passe. Mais chez nous, nous sommes dans le messianisme. Au RDPC, si ce n'est pas Paul Biya, il n'y a personne. Et dans l'opposition, si ce n'est pas tel, il n'y a personne. Et Cabral Libi également, il n'y a personne. Voici le discours de Cabral Libi qui, enfin, accuse donc ceux-là avec qui, hier encore, il filait un peu le parfait amour. Alors, dans la correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée au secrétaire général du PCRN, il y a une confirmation qui est apportée à deux heures. Le premier, il a été fait par l'ex-président du PCRN, M. Conan Robert, au lendemain de l'interdiction du congrès de Libi, interdiction qu'il avait frauduleusement obtenue. Il avait dit dans une conférence de presse que toutes les dispositions et toutes les mesures seraient prises pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, dont il fallait me priver du PCRN, du contrôle du PCRN, qui avait des élus, donc partis susceptibles d'investir à une élection présidentielle. Le deuxième aveu, c'était récemment, sur les ondes d'une radio, aveu dans lequel il disait clairement qu'il agissait avec la caution, l'autorisation, la permission et l'encadrement du ministre de l'administration territoriale. Mais à la vérité, la correspondance en question est juste absurde, parce que du point de vue juridique, elle n'a pas de sens, pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans la correspondance du SG du PCRN, il lui a simplement donné information de l'exclusion de celui qui est son comparse dans leur basse et ridicule manœuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'aucune disposition de la loi de 90 qui régit les partis politiques ne donne pouvoir et compétence au ministre de l'administration territoriale de prendre acte de quoi que ce soit de ce qui se déroule dans le quotidien des partis politiques au Cameroun. Sinon, on serait dans un recul de 20 ans, voire 30 ans, et on serait dans un pays autoritaire où c'est le ministre de l'administration territoriale qui décide de qui est militant, de qui ne l'est plus. Donc, c'est tout simplement ridicule. Mais moi, je voudrais leur dire, parce qu'on n'est pas dupes, on n'est pas naïfs, on sait ce qui se fait. Moi, j'ai juste envie de dire deux ou trois choses. À tous ceux qui sont derrière ce ministre-là, ceux-là à qui ils servent de paru, parce qu'on les a tous identifiés, je voudrais leur dire que si le peuple camerounais me choisit pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025, ils ne pourront pas l'empêcher. Donc, si le peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui va le président de la République du Cameroun en 2025, ils ne pourront pas l'empêcher et ils le verront de leurs deux yeux. Qu'ils sachent simplement que le ridicule dont ils ont commencé à faire, si j'ai envie de dire salement et bassement étalage, ne préfigure pas la vérité que leur inévitable chute. Alors, dans la correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée au secrétaire général, leur inévitable chute. Ce qu'il y a dans le régime Biya, c'est que justement, contrairement à d'autres, où on fait passer le relais, il n'y a pas de relais. On vous utilise comme une serpillière et on vous jette. Cabral Libi aujourd'hui, c'est leur serpillière. Et il n'est pas le seul.
Vous avez d'ailleurs vu les billets qui vont sortir comme ça, ils vont juste venir jouer les troubadours et puis c'est terminé. Ça n'a rien à voir avec une jeunesse du Sénégal, avec les opposants du Sénégal. Qui, eux, quand ils sont dans l'opposition, restent dans l'opposition. On ne peut pas être dans l'opposition, un pied et un pied dans le gouvernement, en disant que non, si ça va de tel côté, je peux travailler avec eux. C'est ça que Cabral lui avait dit. Qu'il peut travailler avec le régime d'IA. Au Sénégal, regardez ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Ils ont dit niette, pas avec vous. Kabila ne peut travailler qu'avec l'opposition s'il veut rester dans l'opposition. Comme il dit que maintenant il y a les gens qui sont derrière. Comme on dit justement, tu ne peux pas, pendant le grand dialogue, tu es avec Atangadji, vous êtes assis côte à côte. Vous vous tapotez, vous êtes des amis, vous dites que vous êtes des républicains. Et par la suite, tu viens te plaindre dans un système qui n'est fait que de la mafia, c'est comme ça dans la mafia. Il faut donc cesser, puisque Kabila Dibi n'avait qu'à regarder même les parents. Regardez Paul Biya. Lui-même, il a qui comme successeur? Personne. Même Franck Biya est détruit. Il a juste utilisé Franck Biya pour un certain temps comme un fusible, avant de se représenter lui-même. Regardez Fama Dongo. Fama Dongo est assis là parce qu'il voit que ce monsieur, le père de Faye, c'est-à-dire que le père du nouveau président du Sénégal, qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, que voilà, que son père s'appelle Diomaye Dongo Faye. Fama Dongo établit déjà une relation. Que, oh, c'est mon fils, c'est mon fils. C'est là-bas au Sénégal que Fama Dongo a déjà un fils. Mais qu'est-ce que Fama Dongo a fait de ses propres enfants? Regardez depuis combien de temps il est là. Il préfère dire qu'il est la créature de Paul Biya. Et comme tel, il doit le servir et il ajoute comme un esclave. Le fils de Fama Dongo est quoi? Il a l'air de passer l'âge de celui-ci. Hein? Mais il est sous-préfet à Edea. La jeunesse au Cameroun, on vous dit tout simplement, il faut attendre. Et après, on vous donne les benskins, après, on vous donne du pain, après, on vous donne la sardine. Aujourd'hui, Fama Dongo est devenu, son fils est devenu sénégalais. Pourtant, au sud, il utilise les enfants de fruits là-bas. Il appelle ça le socle granitique du RDPC. Voilà l'homme qui a introduit ce qu'on appelle le tribalisme dans la politique de Biya. Fama Dongo avait été révélé par qui? Par Ahmad Wayidjo. C'est Ahmad Wayidjo qui va nommer Fama Dongo directeur de l'ECJ, qui est devenu l'ESTIC aujourd'hui, l'école de journalisme. Nous sommes en juillet 1981. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu un incident diplomatique entre le Cameroun et le Gabon. Cet incident diplomatique était lié à une rencontre de football. C'est-à-dire qu'ils avaient un club qu'on appelait le FC 105 de Libreville, qui jouait contre l'Union sportive de Douala. Et l'Union sportive de Douala est partie battre le Gabon à domicile. Mais là-bas, les Camerounais, à cause de cette défaite, ont été tabassés par des Gabonais, les forces de sécurité, et ont même été expulsés au Cameroun. Ayidjo s'est fâché. Il n'était pas comme Biya. Parce que maintenant, on peut taper les Camerounais au Gabon, on les tape en Guinée équatoriale, il n'y a rien. Ayidjo immédiatement a dit, je ferme les frontières avec le Gabon. Boum! Plus de nourriture, plus rien. Vous n'aurez plus rien. Et c'est un Gabonais qui était directeur à l'époque, à l'ICJ, l'école de journalisme.
Ayicho a signé immédiatement un décret pour l'enlever. Et c'est comme ça qu'il découvre que Fama Ndongo avait fait l'école de journalisme de Lille, en France. Il pouvait choisir un journaliste nordiste. Mais il a dit, je prends un sudiste. C'est comme ça qu'il nomme Fama Ndongo, directeur de l'ESTI. Quand Fama Ndongo dit aujourd'hui qu'il est la créature de Biya, qu'il doit défendre seulement Biya et que le Cameroun appartient à Biya, il oublie que lui-même il a été nommé par Aïdjo. Biya ne l'a pris qu'en 1984, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé tentative de coup d'État. Alors Biya a commencé par la politique de Fama Ndongo qui lui a dit que non, il faut seulement les boulots au palais. Les boulots au palais, c'est comme ça que Biya fait venir Fama Ndongo au palais, le nomme conseiller technique et en même temps chargé de la communication. Fama Ndongo sera d'ailleurs envoyé comme recteur à l'université, je crois, en 98, sans oublier qu'il devient ministre de la communication en 2000. Où il va décrire les médias, y compris moi-même. C'est ce Fama Ndongo qui était venu à Siampo, venir me dire dans les studios que je ne dois pas travailler avec un Mbangriki. Il était avec Mbia, son conseiller technique. Mais il ne savait pas que Mbia, lui-même, c'est un Mbamileke. Mais sauf qu'il est né à Mbalmayo et il porte le nom de celui qui avait vendu le terrain à son père. Il était avec Félix Zogo quand il me menaçait. Un tribaliste jamais vu. Combien de vies il a détruit en Kuala Lumpur, là-bas chez les Boulous. Il utilise les jeunes avec des grains de riz. Mais après, il n'y a rien. Il n'y a pas de suite. Maintenant, il a un enfant au Sénégal qui est devenu président parce que le père s'appelle Ndongo. Donc, il découvre que lui aussi, ça doit être... Vous rendez le type... Depuis 2024, ce type est ministre de l'enseignement supérieur. Toutes les universités du Cameroun ont échoué. Donc, qui est ministre de l'enseignement supérieur? Depuis 2024, vous fermez des universitaires. Et vous n'avez pas un seul remplaçant qui peut être ministre, qui peut être président de la République. Voilà donc les gars qui ont été formés à l'ENA, au Sénégal, qui prennent le pouvoir. Les universités du Cameroun ont déjà formé quel ministre? Mais tout le monde les a dit, vous allez entendre un docteur agrégé de ceci et cela et tout et tout et tout. Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Voilà des enfants formés à l'ENA. Regarde le docteur David Ebuto. Il n'est pas boulou comme Fama Ndongo. Mais le premier à détruire docteur David Ebuto, c'était Fama Ndongo. Il a détruit tous les groupes qui étaient intelligents. En 2021, et c'est là où j'ai dit que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Cameroun. En septembre 2021, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, mais c'est passé comme ça. C'est que dans la vallée du Thème, on avait bloqué Fama Ndongo avec un groupe de ministres. Et vous avez pu voir qu'ils étaient dans une petite cabane là, avec une petite simple ampoule. Parce que les boulous disaient à Fama Ndongo, mais attends, en 2010, tu es venu nous dire, et avec ton Paul Biya, qu'il y aura une route, un don marché et tout ça, qui allait faire, qui allait désenclaver le sud. Aujourd'hui, il n'y a plus de route. Tu ne passes plus. On avait bloqué Fama Ndongo avec sa délégation. Il était parti avec les Gaston et Lundou, les Majeux et tout. Il prenait les gens comme ça là. Hey, je suis le soldat de Paul Biya. Je suis le soldat de Paul Biya. Nous sommes en 2021. Il a dit qu'on allait résoudre tous ces problèmes-là. Est-ce qu'on a résolu ça? Là, il appelle socle granitique là. C'est fini. Il suffit que l'opposition s'organise. Même les boulous en ont ras le bol. Ils ont été trompés. Ils ont été trompés par les Fama Ndongo.
aujourd'hui, la jeunesse regarde ce qui se passe ailleurs. Vous croyez que les boules n'ont pas besoin d'eau? Que les boules n'ont pas besoin d'électricité? Vous croyez que les écambétis n'ont pas faim? N'ont pas besoin de changement? Regardez tout simplement les profils des billaristes. C'est déjà les Bassirou, Diomaye Faye, qui sont là-bas. Donc, si l'opposition s'organise également, que Famon Dongo sache que ce qui est arrivé, ce qui arrive partout ailleurs, va arriver au Cameroun. Parce que le monde est en changement. Et aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'une rupture. Les vieux slogans tels que la force de l'expérience, c'est devenu la faiblesse de la désespérance, de la nuisance, de l'incompétence. L'élection de Bassirou Diomaye Faye n'est pas seulement regardée en Afrique. Ça inquiète et ça a beaucoup inquiété et ça continuera à inquiéter les pays occidentaux et dont en tête la France. Le Sénégal a toujours été considéré comme une base arrière du système de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Macky Sall était une cheville ouvrière. La preuve, c'est que sa chute, c'est désormais à Paris. Le couple, ou plutôt l'audio, Faye Sonko est pratiquement en déphasage avec les méthodes de la France-Afrique. À peine élu, Faye a pris la parole pour rassurer ses partenaires internationaux. Il a bel et bien dit qu'il allait continuer et restera l'allié sûr et fidèle de tous les partenaires, mais à condition que ce soit une coopération respectueuse, vertueuse et avec des profits de part et d'autre, pour paraphraser. Mais cependant, il a glissé une petite phrase en disant que le désaccord avec la France allait être visité, révisé. Ceci a fait trembler l'Élysée. Certes, Emmanuel Macron, après les félicitations adressées par Macky Sall ou encore à Amadou Ba, qui était le candidat de la majorité présidentielle. Il y a bien sûr le Quai d'Orsay qui est venu pour confirmer que tout allait bien, que les relations allaient se poursuivre. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes parce que dans son discours également, et même dans la campagne électorale, Faye avait insisté sur le fait de la souveraineté. Et si aujourd'hui, on peut dire que leur discours a séduit, c'est parce que la jeunesse africaine est de plus en plus assoiffée de la souveraineté, de retrouver certaines valeurs, comme à l'époque de Sékou Touré, voire Thomas Sankara.
Et comme l'histoire, les dés de l'histoire tombent toujours à pic, le 26 mars, lorsque Fay est déclaré vainqueur, ça tombe avec l'anniversaire des 40 ans du décès de Sékou Touré, l'homme qui avait dit non à la France en 1958 et qui est mort justement le 26 mars 1984. Hasard de calendrier, peut-être, mais les temps sont presque de même, la virulence est presque de même et surtout, on revient sur le même dénominateur commun des revendications des peuples africains, à savoir la souveraineté et aussi une monnaie, le franc CFA. Le 15 mars 2024, à peine sortis de la prison, puisqu'ils ont été libérés, le 14 mars, Macky Sall a été surpris, tout comme la France, par le discours de Sonko et aussi de son pote, de son copain, à savoir Bassirou Diomaye Faye, qui se sont attardés sur le franc CFA. Sonko prenant la parole a discouru pendant 45 minutes en wolof. Et puis, bam, il a tourné en français. Quand il tourne en français, il rappelle que dans leur programme politique, il est écrit et ils doivent respecter cela, que le Sénégal doit avoir sa souveraineté monétaire. La fin du franc CFA. Il a essayé de mettre un peu de l'eau dans son moulin en disant que cela va se faire avec des partenaires de la CEDEAO et de lui et moi. Et si cela ne se fait pas, d'ailleurs, son compère a bel et bien ajouté et continue à le marteler, c'est-à-dire faille, que si la CEDEAO ne parvient pas à trouver rapidement une monnaie pour qu'on se débarrasse du franc CFA, si lui et moi tardent par rapport à ce qui avait été conclu pour l'écho, eh bien, le Sénégal va s'engager sur sa propre voie pour trouver sa propre monnaie pour sortir du franc CFA. C'est une annonce qui est révolutionnaire, puisqu'on sait d'ailleurs que même si le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont sortis de la CEDEAO, ces trois pays qui forment l'AES n'ont pas encore annoncé, n'ont pas encore créé leur propre monnaie. Certes, ils sont en train d'y réfléchir. Mais le Sénégal devient vite ce qu'on peut dire le leader avec la nouvelle génération, avec les nouveaux dirigeants, à vouloir véritablement dire non au franc CFA, se basant sur l'exemple de la Mauritanie. Et d'ailleurs, Sonko agrémente en disant 80% des pays dans le monde ont leur propre monnaie. Comment se fait-il que nous, en Afrique, ou bien 14, 15 pays soient liés au franc CFA? Lui ne veut plus la parité avec l'euro. Parce qu'il dit que cela, le Sénégal, se doit de reprendre intégralement sa souveraineté. Comment regarder ce discours? Ce discours, bien évidemment, non seulement séduit les masses populaires en Afrique, mais aussi une jeunesse qui revendiquait et qui a eu à partager le programme de rupture.
rupture, et même, il faut se dire que cela n'est pas arrivé subitement. En 2018, donc avant l'élection présidentielle, et plus précisément en septembre, Sonko avait commis un livre intitulé « Solution ». Là-bas, il avait réservé plusieurs pages sur le franc CFA. Et on disait cela que c'est un rêve illusoire, qu'il ne pourra donc jamais être élu président de la République parce qu'il se met la France à dos. L'élection, justement, de ces gens qui étaient contre le franc CFA montre que les Africains ne sont plus parrainés. À l'époque, pour être élu président de la République, il fallait que ce soit une grande puissance étrangère qui te parraine. Il fallait être dans une organisation, soit de la franc-maçonnerie, soit rosicrucienne, soit dans quelque chose là-bas, ou encore adhérer à un parti socialiste de la France, de ceci et cela. Mais là, l'élection du duo, parce qu'on peut parler de duo, même si on sait que sur un fauteuil, il n'y a pas deux rois, il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas deux chefs d'État, on parle maintenant de faille. L'élection de faille est une véritable rupture, parce qu'il n'a pas eu besoin du soutien de la France. Il n'a pas eu besoin du soutien des grandes puissances qui d'ailleurs étaient très inquiètes par rapport à son élection. Bien au contraire, il a eu une adhésion populaire, des masses populaires et surtout d'une jeunesse qui voulait un changement. Parler franc au peuple et surtout prendre des risques, c'est aussi ça qui fait aujourd'hui le succès des nouveaux hommes politiques. La rupture devrait donc aussi non seulement intervenir dans les esprits, mais aussi ne plus nous avenir. Pour qu'on puisse dire que, pour qu'on puisse réussir dans la vie, il faut seulement être quelqu'un derrière quelqu'un. Et il faut donner son derrière à quelqu'un. Non. Sonko a posé des bases. Même si on trouvait son discours violent, mais en fait, il était franc. Le franc CFA, comme il le disait, c'est une monnaie qui a été créée en 1945 et qui, selon lui et beaucoup d'autres spécialistes, ne cadre plus avec les structures ou alors les ambitions du peuple africain. Je vous invite à réécouter d'abord Sonko sur le franc CFA et qu'on revienne sur les conséquences sur le Sénégal. Le Sénégal peut-il s'en sortir? Y aura-t-il un coup d'État? Comment la France va agir? Nous écoutons d'abord Sonko qui parle du franc CFA. La France et de la France lève son genou de notre cou. Sept siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploite personne. Qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans l'ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons l'exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali,
où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses cris et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent la technologie. Nous avons besoin de gens pour que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements des deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ses voix, qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Le discours de Sonko, qui est exactement le même que celui de Faye, montre donc la souveraineté. La voie de la souveraineté, ce n'est pas aller chercher d'autres maîtres. Mais cependant, pourront-ils s'en sortir? Beaucoup, avant l'élection même de Faye, ils disaient, eh bien, les obligations du Sénégal. Côté avait baissé.
Mais, malgré ce discours qui est franc, parce qu'on disait que si on a effrayé les Sénégalais, que si vous choisissez Faye, les investisseurs partiront, vous allez rester dans la pauvreté. Et ce sera très très grave, parce que... Mais dès l'annonce, j'ai dit bien, des résultats, de façon même pas encore officielle, mais officieuse, selon Blumera, les actions, enfin, les obligations côté la France ont connu une augmentation incroyable, jamais vue. Alors qu'avec Macky Sall, c'était en chute libre. Mais c'est allé de 1,400 à, écoutez-moi bien, 75,800 pour un dollar à Londres. Nous sommes le 26 mars 2024 lorsque ces résultats sont donnés. Et du coup, le Sénégal, alors qu'ils n'ont même pas encore pris le pouvoir, est devenu le pays émergent étant le mieux coté. Cela veut donc dire que ils ont fait un programme politique et économique concernant à d'autres qui n'ont pas une assise économique. Ils ont réfléchi concernant à d'autres qui arrivent comme ça, qui vous disent que non, les pays africains ne peuvent jamais avoir la monnaie, oh non, ils vont tomber, ils vont faire ceci. C'est vrai que le cadre de la Guinée peut faire école. Peut faire école, ce n'est pas parce que la Guinée avait eu sa monnaie, c'est pour ça qu'elle a échoué, mais parce que la France à l'époque n'avait pas accepté l'humiliation. Parce que vous vous souvenez que Sékou Touré est le premier à dire à De Gaulle en 1958, nous on veut notre indépendance. Nous voulons notre indépendance. Et effectivement, la France s'en va. La Guinée obtient son indépendance. Mais la Guinée n'avait pas d'ailleurs l'intention de quitter immédiatement le franc CFA. Puisque d'ailleurs, le 15 octobre, Sékou Touré va écrire la France en disant « Nous, on reste, même si on a obtenu l'indépendance, pour l'instant là, on n'a pas encore des possibilités, mais on reste d'abord dans le franc CFA. » C'est la France qui a refusé à ce que la Guinée soit dans le franc CFA. Et Sékou Touré se retrouve donc un peu en difficulté. Mais par la suite, il va créer sa monnaie. Le franc guinéen. Le franc guinéen pouvait d'ailleurs permettre aux Guinéens de vivre. Mais sauf que De Gaulle avait créé autre chose à Dakar, au Sénégal. Ce qu'on appelait opération Persil. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre d'un chef du SDCE, c'est-à-dire que des services secrets français de l'époque. On l'appelle Maurice Robert. Il a commis un livre en 2004 où il explique clairement que le but de cette cellule installée à Dakar, au Sénégal, était de déstabiliser Sékou Touré. En faisant comment? C'est-à-dire que, puisque Sékou Touré avait créé une banque de Guinée, une banque pour la République de Guinée, la BRG. Alors, la France, elle fabriquait des faux billets qu'elle injectait dans le marché guinéen à partir de Dakar, à partir du Sénégal. Et à partir de là, eh bien, il y avait déjà l'inflation et tout ça. En 72, d'ailleurs, quand Sékou Touré s'était rendu compte que le marché ou alors le pays était asphyxié, était pollué par les faux billets, il va changer. C'est-à-dire qu'il sort du franc guinéen et on va créer le Sili. Le Sili, lui également, n'a pas connu parce qu'ils appelaient cette opération-là, opération Persil.
L'opération Persil, c'était de déstabiliser Sékou Touré pour trouver un valet qui pouvait défendre les intérêts de la France. Voilà comment est-ce que la Guinée était tombée. Ce n'est pas parce que Sékou Touré, certes, il était dictateur, mais ce n'est pas parce que son programme économique était complètement faux. On a vu pendant une longue période, c'est-à-dire que les devises des États africains, c'est-à-dire que quand vous vendez les matières premières, on vous dit que c'est plutôt la moitié repose. D'ailleurs, c'était d'abord à l'époque, quand le franc CFA est créé en 1945 et pendant longtemps, c'est-à-dire que on se retrouvait avec l'argent des Africains à 100% dans le trésor français. Comment est-ce qu'on pouvait se relever dans de telles conditions? Et par la suite, c'est devenu 50%. Cette fois-ci, les pays de l'Afrique de l'Ouest, bon, ce n'est plus exactement ça, mais, bon. C'est une monnaie qui a été créée en 1945, donc une monnaie coloniale. Aujourd'hui, cette jeunesse a dit, on devrait sortir de là, ne serait-ce que parce que même cette appellation ne nous donne pas la liberté. Sékou Touré, peut-être n'a pas réussi, mais il a laissé d'autres gens qui ont ces idées. Et quand on regarde, par exemple, leur programme politique et économique, le programme politique économique m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je constate qu'il y a un gars qui s'appelle Cheikh Diop, quelque chose comme ça. C'est lui qui est le coordonnateur du plan économique. Où ils ont travaillé longtemps en groupe, même s'ils n'ont pas pu peaufiner à cause des arrestations, parce que vous savez qu'ils étaient quand même en prison, les deux leaders, ils étaient en prison, donc ils n'ont pas pu bien peaufiner cela. Mais dans le programme actuellement de ce qu'on appelle la rupture avec la nouvelle équipe dirigeante du Sénégal, on se rend compte que ils ont décidé qu'avant d'arriver à leur monnaie ou alors à la monnaie de la sous-région, sauf si c'est toujours une sous-région parce qu'on connaît quand même que depuis 2000, Ouattara avait eu avec des discussions avec Macron, puis on avait dit que bon, l'écho arrive, l'écho. Il n'y a jamais eu d'écho. Après, maintenant, on nous dit que c'est en 2007, en 2027 plutôt. En 2027, peut-être il n'y aura rien. Peut-être c'est à cette période-là, comme a donc dit Mathis, comme a dit Sonko, comme a aussi affirmé Faye, que le Sénégal risque d'avoir sa propre monnaie devant les autres pays de la CEDEAO ou de lui et moi, ou même de l'Afrique centrale, puisque nous, on attend que le Dieu Tout-Puissant vienne nous sauver, qu'il quitte de là où il est assis au trône, qu'il vienne nous libérer, qu'il nous donne notre monnaie un jour, et comme ça, bon, voilà, on ira au paradis. Mais eux, ils ont dit, ils vont agir. Ils sont en train d'agir. Et dans le projet, ils savent que, première des choses, le Sénégal est en train de devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. Et qu'est-ce qu'on dit? Avant même qu'il ne prenne le pouvoir, rien qu'en lisant son plan économique, son programme économique, la Banque mondiale et le FMI disent que si la croissance du Sénégal au temps de Macky Sall était de 5%, au temps de Faye, qui n'a même pas encore eu à s'installer au bureau, hein, que cette année, la croissance du Sénégal est déjà projetée à 8%. Est-ce que vous comprenez? 8%. Donc, on vous dit que les vieux là, ils ont l'expérience, ils ont ceci, ils ont cela. Voilà les enfants qui sont arrivés, qui ont dit, voilà ce qu'on va faire. Et ce sera la plus grande, la plus forte croissance de l'Afrique. Ils ne sont pas encore là. Et ce n'est pas un miracle. Ils ont dit, nous allons créer une banque centrale. Et avant la création de cette banque centrale, le Sénégal aujourd'hui a un déficit commercial sur la balance commerciale. Et c'est ça les dirigeants africains. On achète les friperies, on achète tout, on achète ceci et cela. Et ils ont dit, ils vont faire que la jeunesse sénégalaise, les entrepreneurs sénégalais, qu'ils puissent bénéficier des marchés, que l'argent circule dans le pays. Et ils vont aussi injecter de l'argent dans le secteur agricole et agro-industriel. Comment vous voulez que nous sommes indépendants? On prétend être indépendant. On prétend de revendiquer notre souveraineté. Mais on va mendier le riz du riz
en Russie, le mil, les céréales, on attend des aides partout et tout. Et ils disent que il faudrait que le Sénégal retrouve la souveraineté en faisant de telle sorte que il ne puisse plus dépendre des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire que la Banque mondiale, le FMI. Or, tous nos pays là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que chacun il est là. Dès qu'il y a un petit problème, il court au FMI. Il va se mettre à genoux. Il demande. Et ils ont donc dit qu'il y aurait une banque centrale. Bien évidemment, aussi, ils vont créer ce qu'on appelle une banque postale. Mais ce ne sera pas à la façon de la France. Mais c'est sur un modèle allemand qu'ils vont créer la banque postale qui va permettre de financer l'économie régionale, voire nationale. Toujours dans leur programme. Je voulais parler des jeunes qui vous disent qu'ils sont les Macron, les nouveaux tels, les consorts là, qui regardent ce programme-là. Dans le programme économique, ils disent que ils doivent arriver à un niveau où non seulement ils vont faire que les basses couches sociales puissent bénéficier des retombées, mais surtout faire de telle sorte que désormais au Sénégal, qu'il y ait l'emprise de l'État sur beaucoup de structures. Regardez par exemple le cas du Cameroun. On a tout privatisé. Et ils veulent le renationaliser, ils veulent l'interventionnisme de l'État. Mais la Chine le fait, la Russie le fait, même les États-Unis le font. Mais nous, en Afrique, on nous dit que non, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et ces dieux-là, ils appliquent à la lettre les injonctions qui viennent du FMI et de la Banque mondiale. Dans son programme, ou bien dans leur programme, puisque c'est le programme du PASTEF, même si le PASTEF a été dissous, il sera réhabilité bientôt. Hein. Ils disent qu'ils vont créer un livret d'épargne patriotique et économique. Et ce livret, ce sera pour des populations. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de la vision? Au-delà tout simplement de dire que nous partons encore mendier, on finit avec de mendier auprès de l'Inde, on court mendier auprès de la Chine, après on repart mendier à tel ou tel endroit. Le Sénégal est donc en train de prendre un autre angle, un autre virage. Et ce virage pourrait aussi être celui du succès de la jeunesse. Pourrait aussi être celui de ceux qui osent, de ceux qui doivent savoir que être indépendant, être souverain, c'est avoir d'abord, ses propres instruments en main. C'est être capable de se nourrir. C'est être capable de faire que les richesses, les matières premières, les retombées puissent bénéficier à tout le monde et non à une petite partie de la société, à ceux qui sont élevés, comme c'était le cas du clan Macky Sall. Regardez ces gens-là. Ils ont montré leur humilité, leur intégrité, leur moralité. Ils ont été inspecteurs des impôts. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont 1000 palais? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont une richesse ostentatoire? Non. Cela veut dire qu'ils peuvent bien gérer. Et ceci doit inspirer la jeunesse africaine à comprendre que on peut être formé en Afrique et devenir un bon président. Ce n'est pas parce qu'on a été seulement à la Sorbonne pour venir apprendre juste comment aller jongler ceci et cela. Si les NAM formaient bien les Camerounais et non formaient tout simplement les sous-préfets qui savent que dès que tu es désigné quelque part, c'est pour aller voler le pauvre qui est au village. Si on pouvait au moins faire la déclaration des biens, vous avez pu voir comment est-ce qu'ils ont fait la déclaration de leurs biens. Notre constitution, article 66, demande à Paul de déclarer ses biens. Non, personne n'a déclaré ses biens. Et c'est ce régime-là qu'on continue à dire qu'il faut soutenir.
Alors que ça change de partout. La jeunesse arrive au pouvoir. Et nous, nous sommes tout simplement là, avec un vieillard. Peut-être que le Cameroun n'étant pas une terre de démocratie, qui sait? Aujourd'hui, il y a aussi plusieurs façons de quitter le pouvoir, comme on a vu Ali Bongo chassé du trône par peut-être les militaires, un jeune militaire. Cela pourrait bien arriver au Cameroun si Paul Biya refuse de passer la main par les urnes et qu'il continue à tricher avec une administration à sa solde, corrompue, qui appauvrit le pays. Paul Biya, l'éternel président, qui voit ses enfants arriver et même partir. Il est peut-être l'homme le seul indispensable de la planète Terre. Il bénéficie du BIR, des militaires, mais il oublie une chose, c'est que même Ali Bongo en bénéficiait également. Et Ali Bongo est tombé. Ceux qui aimaient Ali Bongo, aujourd'hui, ont tourné le dos. Et on tournera aussi le dos à Paul Biya. Au Gabon, hier encore, on faisait la talakou à Ali Bongo. Aujourd'hui, Oligui Nguema est arrivé. On a oublié Ali Bongo. Ali Bongo distribuait des milliards, il était super riche. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu perds le pouvoir, on ferme les robinets, on saisit les comptes, même ceux qui sont offshore, les bandits de là-bas aussi, ils ne te donnent plus rien. C'est la situation actuellement d'Ali Bongo, qui n'est pas bien à payer ni l'eau ni l'électricité, qui demande même des moratoires, qui pleure partout. Bien plus, Ali Bongo, qui avait déjà toutes sortes de véhicules du monde, avait préféré cette fois-ci à la star de Bokassa qui voyait les chevaux et qui d'ailleurs avait pris les chevaux en France pour son intronisation. Lui, il arrivait aussi en France. Il achetait des chevaux, des juments et tout ça. Il les entretenait, il oubliait même. C'était entretenu à coups de millions. Mais maintenant, Ali Bongo ayant eu un AVC, depuis 2022, il a même oublié qu'il avait des chevaux. Et l'argent qu'il devait envoyer là-bas en France, il ne parvient plus à envoyer. Et depuis novembre 2023, voilà que celui qui s'occupe de ses juments commence à lui demander de l'argent et menace de porter plainte pour qu'on poursuive Ali Bongo, qui est incapable, dit-il, de lui payer 45 000 euros, c'est-à-dire 30 millions de francs CFA. Oui, Ali Bongo a pris 30 millions. Les comptes sont gelés. Tout a été saisi. Aujourd'hui, il mange nos carrés. Haricots avec pain bouilli, avec les beignets. Ali Bongo, ses juments ont maigri. Ces juments sont maintenus en otage. Peut-être même qu'on va les abattre pour que moi-même j'aille acheter la viande des juments. La viande des juments d'Ali Bongo. Les juments qu'il aimait tant. Mais à cause de l'argent, Ali Bongo ne peut plus payer l'argent des juments. Pouvait-on imaginer quelqu'un qui a des châteaux en France, à Londres, aux États-Unis, être dans cette situation, être aussi démuni et surtout n'ayant plus d'amis? Lui, ce qui arrive à Ali Bongo aujourd'hui peut arriver et va arriver certainement à Paul Biya et à ses ministres. Parce que quand on vient au pouvoir,
on finit par cristalliser les frustrations. Et quand vous tombez, eh bien, n'importe qui arrive là, il devient subitement le libérateur, héros de la nation. Olivier Nguema, à peine arrivé, n'a même pas encore organisé une élection présidentielle, mais il peut se pavaner, même dans les rues de Libreville, courir avec ses multiples femmes. Qui l'eût imaginé? L'homme qui portait la valisette d'Ali Bongo, qui protégeait Ali Bongo, qui s'inclinait devant Ali Bongo en appelant tout simplement, oui, en disant chef. Dans les marchés même où Ali Bongo lui-même partait manger nos soya pour lancer la campagne présidentielle, c'est là-bas où Oligui Nguema lui aussi part. Et c'est tout le monde qui veut faire des selfies avec lui. Oligui Nguema est devenu comme Jésus, comme le Messie au Gabon. Il faut voir comment il est accueilli un peu partout. Et puis il a compris, au lieu de rester tout simplement en haut, il redescend pour faire une communion, puis une fusion avec les populations. Ah oui, il part d'ailleurs, dans des petits coins vagues, il va même se faire coiffer par des petits enfants. Et puis, il sort aussi, hein, voilà. Oligui Nguema, nouvelle version. Déjà donné même vainqueur de l'élection présidentielle, où d'ailleurs vous allez entendre dans cette vidéo qu'il a déjà gagné à 95%. Et il est déjà partout. On a oublié Ali Bongo. En moins d'un an, oh là là, dire que la dynastie des Bongo a régné au Gabon pendant plus de 52 ans et que maintenant, on n'en parle plus. Aujourd'hui, Oligui Nguema. Et je vous propose de suivre donc notre Oligui Nguema, la nouvelle star du Gabon, voilà, qui est là et qui va nous... Vous allez voir. Voilà Oligui. Attendez, j'allais brandir l'image. Voilà. Ce sera comme ça que moi aussi je vais arriver là-bas, au Cameroun. Hein? Hey. Ou bien le nouveau général qui va prendre le pouvoir, ou le nouveau colonel. Le pays est libéré. Ouais, les mêmes gens qui dansaient avec Ali Bongo, là voilà. Ouais, c'est ça le pouvoir. Allez, voilà. Bon Choco. Au contact, au plus près des... Écoutez le reportage. Voilà son épouse, hein. Chantal, tu as vu le président, la future première femme. Arrive à Auvent. Le lancement officiel des travaux du tronçon Auvent-Makoko, longtemps laissé à l'abandon, permet désormais d'entrevoir. Chantal, il y a ton ami en prison. Hein. Pour tous ici. Tu as vu la nouvelle première dame. L'image des nombreuses réalisations concrètes du CTRI dans cette province de l'Ogooué-Vindo. Voilà. Auvent-Makoko est resté un éléphant blanc. Et nous ne voulons pas les éléphants blancs. La route Auvent-Makoko est une réalité. Elle va être réalisée. Parce que quand j'ai lancé les travaux, c'est qu'elle a été entièrement payée. Inauguration du centre de santé. Visite de la caravane médico-militaire. Ouais, c'est quoi le pouvoir, hein? Réception du signal des programmes de la radio et télévision nationale. Ouais. Le pouvoir. C'est pour les priorités en marche, c'est pour les radios, allumer vos radios. C'est ça aussi que je suis venu lancer ici dans la province. On vous a laissé 14 ans sans la télé et nous on vous l'amène pour que vous soyez à l'écoute de l'information. En arrivant ici à Auvent, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, manifeste une fois encore son grand intérêt pour la reprise en main des initiatives de développement dans cette partie du Gabon. Allez, on voit les affaires 4 ABC. Avant même de venir, j'ai commencé à les résoudre. Et pour Auvent,
en échangeant avec le ministre de l'énergie, il vous faut un groupe qui va suffire pour alimenter la ville. Et Néon, vous entendez? Il résout les problèmes de l'électricité. Le groupe de vent, il va arriver. Au nombre lui, il donne les groupes de la journée, la descente des couleurs en compagnie des élèves, un acte citoyen de haute portée, un fait inoubliable pour tout le monde dans cette localité. Ah, regardez maintenant, vous allez voir comment il est là. Il court, il va au marché, il mange et tout et tout. Pondia, lui, il est au palais. Pondia au palais. Et vous dites que c'est le père de la nation. Donc voilà, voici on lui dit qu'il se fait coiffer par l'enfant. Vous voyez? La masse électrique d'élection, là, c'est 95%. Vous avez entendu 95%, on lui a rien donné. Sans forcer. Voilà même des gens qui viennent entrer au salon. Ah, vraiment, mais. Donc voilà, tous les gens viennent acheter les séries, il va même manger. Vous pouvez voir Paul Biya comme ça. Paul Biya, c'est Dieu au Cameroun. C'est Dieu. C'est comme ça que on va danser avec Paul Biya, mais ce sera plus là. Les femmes qui chantent souvent Maman Chantal, là, elles ne seront plus là. Maman Chantal, la mère de la nation. Le voilà qui coule, hein, avec le peuple. Regardez. Vous voyez, suite dans les rues. Heureusement que Paul Biya, lui-même, c'est un grand couleur aussi. Voici, on lui dit. Allez, on arrête comme ça. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ces images sont des avertissements. Pour ceux qui croient qu'ils sont avec l'armée, pour ceux qui croient qu'ils sont terriblement aimés, vous allez comprendre que quand vous ne serez pas là, et surtout que Dieu accorde vie à Paul Biya, qu'il voit le changement. Il comprendra jusqu'où il a détruit le Cameroun. Comme Ali Bongo, Omar Bongo. Comment peut-on comprendre que Oligui Nguema arrive hier et construit déjà les routes? Il donne l'électricité aux Gabonais. De telle sorte qu'aujourd'hui, le Gabon est classé parmi les 10 premiers stables en électricité en Afrique. Il a fait combien de temps? Pendant ce temps à Yaoundé, les gens m'écrivent qu'ils ne peuvent même pas me regarder là parce que, oh, et de l'eau a coupé. Oh, il n'y a plus d'eau. Oligui Nguema distribue des groupes électrogènes. Il accorde des subventions au mérite depuis que Paul Biya parle de la décentralisation. C'est arrivé où? Pour les mairies. Donc le changement, un nouveau vent, apporte toujours quelque chose pour des populations. Et puis un président doit être proche de ses populations. On n'élit pas un président pour qu'il aille vivre à l'hôtel intercontinental. On n'élit pas un président pour qu'il reste seulement claquemuré dans son hôtel avec ses médecins. Et la première dame pour porter seulement le gros sac et organiser une cérémonie une fois par an au palais. Un président doit être proche du peuple. Comme ça, il est au courant des situations. Immédiatement, là même, les populations peuvent lui soumettre des doléances. Quel est ce président depuis 42 ans qui n'est pas proche de ses populations? Et c'est pour cela que la jeunesse camerounaise n'est pas considérée, parce que Paul Biya est de l'époque seulement de Niang Diffenji. Il ne connaît pas combien coûte un bâton de manioc. Il ne connaît même pas le prix du pain. Vous allez croire que ça, c'est de la propagande. Vous allez croire que c'est une campagne.
Mais en descendant dans la rue, en descendant au marché, en demandant les prix de ces denrées-là, il connaît déjà ce que vaut le panier de la ménagère. Il connaît, il est capable de toucher les réalités des doigts, c'est-à-dire que la vie chère. Et c'est pour ça qu'il trouve donc des solutions. Or, pour il reste dans son lit. Il attend que les femmes d'Ongo viennent lui dire oh non, monsieur le président, tout le monde vous aime, vraiment, il n'y a pas, on a ouvert tel, on a déjà installé telle usine, oh, on a créé 400 000 emplois. Et lui aussi, il vient réciter ça comme ça. Il arrivera un temps où les Camerounais danseront comme ça. Il arrivera un temps où on va déchirer toutes les photos de Paul Biya qui nous bouffent les yeux et l'esprit depuis 42 ans. Il arrivera un temps où un militaire va se dire ça s'arrête là. Il arrivera un temps où parce qu'ils se disent que ils ont éléquent, ils ont attendu à Clément, ils ont attendu à Gandhi, ils ont le Bir, ils ont la police. Il arrivera un temps où un homme courageux sortira. Et Paul Biya partira finir sa vie en Bomaka avec Chantal Biya, qui comprendra ce que Sylvia Bongo vit aujourd'hui à la prison de Libreville. Il arrivera un temps où le peuple camerounais, après avoir connu ce véritable chemin de croix, en cette période pascale, voyant les grâces tomber partout ailleurs, attendant vainement son pain, attendant vainement son Messie, ce Messie ne viendra pas du haut. Il viendra derrière le dos de Paul Biya. On se reparlera. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. C'était un live spécial, politique étrangère. Nous revenons sur nos dossiers du terroir. Les dossiers noirs du samedi soir, ça va terriblement chauffer. Je vous donne rendez-vous samedi à 18h, heure de Paris, heure d'Afrique centrale. 17h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Bien le bonsoir.